Salut tout le monde, c'est Nader Brésil, comment allez-vous? Eh bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve sur Unturned, ok? Donc, on se retrouve sur ce petit jeu de zombies. Et donc, je vais vous proposer donc des épisodes qui ne dureront pas plus de 10 minutes, promis. Donc, j'ai sélectionné la map Washington. Nous allons bien voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Mais putain, c'est un chien, le gars. Qu'est-ce qui se passe? Putain, on a eu chaud. Tu as défendu ta patrie. Nous ne t'oublierons jamais. À part si tu dis pas bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Bon, alors, on va essayer de se barrer de là quand même, parce que... Ah, mais oui, en fait, ça doit être j'arrive plus à parler. Ça doit être des véhicules militaires. Ils ont eu des accidents, et du coup, bah, voilà, quoi. J'ai des couilles à la place de la bouche. Merci. Ah! Qui c'est qui m'attaque? Ah mon dieu! Elle a vu mourir! Oh non, mais non, mais oh là là! Bon, je ne sais pas si nous allons passer par ce chemin parce que. Oula! Ils ont pas l'air très sympathiques ceux-là. Il y a certainement des armes ou des objets à prendre dans les maisons. Alors, on va y aller. Mais je sais pas comment. On va essayer de le contourner pour aller dans les maisons. Il m'a vu? Il m'a vu! Allez, approche. On va un peu l'éloigner des autres pour pas qu'il soit ameuté. Yes! Du coup, la voie est libre pour aller dans cette maison, je pense. On va faire gaffe parce que... À moins que je vais là-bas. Allons là-bas. Ah, il y a une voiture là-bas. Bon, attendez. On va d'abord essayer de récupérer des choses qui sont dans ces maisons. Ah, il y a l'homme chien, merde. Oh putain. Ah, vite, on court. C'est bon. Oh, oh la vache. What? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais putain, mais c'est lui qui va me tuer, ça tombe. Allez, viens. Yes. Ah! Ah! Non. Alors là, c'est mort. Alors là, non. Oh non! C'est une blague! C'est une blague! Putain! Grosse blague. Alors maintenant, on se retrouve avec des fermiers. On avait les militaires, après on avait les bûcherons, là. Et maintenant, on se retrouve avec des fermiers. Super! Oh, alors lui... Lui, il faudrait essayer de l'attirer. Alors, il doit y avoir des armes dans la maison. Viens. Yes, c'est bon. On va aller dans la maison. Et là, on va certainement avoir quelque chose pour se défendre. En tout cas, j'espère. Parce que sinon, on serait dans la merde. Ah ah! Ah, une scie. Et si on amenait les zombies et qu'ils tombaient dedans? Ah! Pas con, hein. Oh merde. Merde. La technique du fudge. Allez hop, viens. Putain, il meurt pas, mais c'est incroyable. Allez hop.
Vous avez vu la technique? Technique infaillible. Oh oui! C'est quoi ça? Je crois que c'était une... une hache. C'est un pantalon! Oui, nous sommes pas nus, mais nous avons quand même nos couilles au menton, donc tel un dindon, nous allons... Ah, je te jette un jean. Ah non, je mets le jean. Bon, d'accord. Merci. Alors là, si je me fais repérer, je suis mal. Je suis très très mal. Alors, avec la tête complètement de travers, nous allons aller de ce côté. Bon, il va bien y avoir quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! Yes, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un carton! D'accord, merci. Un meuble. Bon, soit. Bah écoutez, on va prendre un petit chapeau. Hein. Hop. Et je dois être un fermier. Oui, je suis un fermier à torse nu. Yes, c'est parfait. J'ai réussi ma vie. Bah voilà, il y avait un chapeau, j'avais pas besoin de le prendre sur le zombie. Bon, on va se poser à regarder la télé. Salut tout le monde. Allez, c'est parti. On continue à la recherche d'une arme quand même. Y a rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Du jus. Buvons. Santé. Le gars, il est juste dans un monde de zombies et il prend le temps de boire son jus. Rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? À manger. Reprenons des forces. Reprenons de la vie. Reprenons du bonheur. Merci, au revoir. Bon, alors, est-ce qu'il y a... Oh là 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 là. On va rester dans cette... Je crois que je me suis fait repérer. Je crois que je me suis fait repérer. Je me suis fait repérer. Oh la vache. Oh. Donne-moi ton Marcel, donne-moi ton débardeur. Je suis à torse nu. Alors maintenant tu vas me laisser, ok? Ah. Allez, allez. Yes. Oh, mesdames et messieurs, je viens de trouver l'arme de malade. Mais tout d'abord, je veux ce débardeur. Oui. Hey, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un sweat? Non, d'accord. Bon. Non, je ne vais pas pouvoir prendre le débardeur, merde. Est-ce qu'on garde ça ou on se barre sans leur faire de mal? Bon, moi je prends tout, hein. Je vous dis, je prends tout ce qui me tombe sous la main. Yes, un t-shirt très très moche. Alors, de quoi on a l'air? Oh, mais c'est parfait, mais quel ensemble! Ma chérie, ma chérie, ma chérie, bonjour. Tout le monde a dit bonjour. Ça va pas du tout. D'accord, ok, c'est bon, je mets mon t-shirt bleu. Allez hop, t-shirt bleu, please. Ah, c'est bien comme ça, là, c'est parfait. Allez, on se casse. C'est bon, j'ai une arme. On va pouvoir s'en servir. On va essayer de se barrer sans utiliser de munitions. En passant par la fenêtre. Allez, c'est parti, on s'en va. Et j'en profite de vous quitter sur ma fuite. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Huntern. Il est cool, hein, mon accent anglais, hein. Ah, avouez. Et notre but, ce sera de s'échapper, bien évidemment, de trouver peut-être un véhicule et de survivre à ce monde infernal. Allez, salut les amis, à très bientôt. Peace.